Eh bien, salut tout le monde, c'est Benjino et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Welcome to République démocratique du Congo, Zaïre, comme vous voulez. Bref, on a pu voir dans les épisodes précédents qu'il y a eu deux rush kits, donc on a réuni tout ça dans un seul épisode. Et là, on se retrouve pour la demi-finale. Posez les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Là, pour la plupart, normalement, vous êtes en vacances, donc profitez bien de vos vacances. Et on va lancer tout ça tout de suite en match tranquille. Allez, on va partir tout de suite sur le match tranquillement. Allez, allez, toujours en 4-3, 3-4-2-1, une formation qui est plutôt pas mal. On tombe sur un mec qui joue avec le maillot de Chelsea, le logo de Chelsea. Nous allons tomber sûrement sur une petite BPL, sûrement. Nous allons voir ça tout de suite. Et là, on joue contre une Serie A. Serie A en 4-5-1, à part Sirigu et Crisito. Bref, belle équipe, à part que le 4-5-1, moi, je n'y arrive pas du tout. Donc, dites-moi en commentaire si vous arrivez à gérer cette formation. Moi, j'aime vraiment pas du tout. Bref, chacun ses goûts, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour passer en finale avec le Zaïre, les gars. Donc là, le match, il va commencer, et vous allez voir, il va pas très très bien commencer pour moi. Triangle Elin, donc je vous annonce tout de suite, c'est Monsieur Triangle Elin. Là, regardez, hop, la petite passe, et derrière, je me fais punir, poser, là, mes petites filets, l'enfoiré. Jovinko, 8 minutes de jeu, ah là là, c'est pas bon du tout. Mais là, je me réveille, frappe de Bolasi. Et super parade de Sirigu. Voilà, comme je vous disais, je vous ai laissé 2-3 actions où le mec abusait des triangles là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est le jeu. Là, regardez, encore un. Derrière, il n'y aura rien à voir. C'était juste pour vous montrer le triangle là. Franchement, c'est un petit peu relou à force. C'est un peu lassant. Là, regardez, il va en faire un inutile derrière. Et là, il va se dire, c'est bon. Et là, tu te calmes. Le superbe tacle. Là, encore une action, Bolasi encore, super crochet, et là, il fait un enveloppé totalement foiré qui doit passer à 50 mètres des cages. Et là, l'action, Fouakou Poutou à l'épaule, il bouscule Caceres, Fouakou Poutou, petit filet, frappe croisée, Fouakou Poutou, go, là, saut, un partout, but à la 45e, désolé, il y a toujours le but à la 45e, il est pour moi, tant mieux. Un partout, égalisation de Fouakou Poutou qui me fait une grosse impression dans cette série. Frappe croisée, petit filet et on va arriver à la mi-temps. Et vous allez voir qu'à la mi-temps, au niveau des stats, eh ben le un partout est bien reflété dans ses stats. Regardez, 4 tirs à 3, 2 tirs cadrés chacun, 57 de possession. Ça c'est normal, c'est un peu mon style de jeu, moi qui aime bien construire. Donc c'est normal que j'ai souvent la possession. Donc on va repartir tout de suite en deuxième mi-temps, je vous ai laissé, il a fait un petit changement pour moi qui me paraît un peu bizarre, il va faire rentrer Akin Fenoa. Je vois pas du tout l'utilité, surtout qu'il va le mettre en MOC, il est juste costaud. Bref, nous on continue, Cage qui arrive à récupérer le ballon, petit crochet et là il va tenter un enveloppé, j'aurais dû tenter sûrement une frappe en force, car les frappes en finesse c'est pas du tout ça. Là j'ai récupéré le ballon, super pressing de Cage, Cage qui met sur Fouakou Poutou, Fouakou Poutou fait finir, Cage aussi, il a but libre et là... Là, c'est le bug où quand vous appuyez trop sur le carré, ça fait un petit lob. Bref, c'est pas bien grave. Un partout, on va peut-être le regretter. Attention, j'arrive à me dégager. Marquiso qui récupère le ballon, qui tente une frappe. Très peu dangereuse pour Mandanda. Et là, on va relancer. Vous allez voir la petite construction. Cache sur Mounoumbou. Mounoumbou qui fait le décalage sur Bolasi. Et là, Bolasi qui voit Cédric partir. Cédric qui voit Fouakou Poutou. Et où tu vas? Petit crochet, frappe enveloppée, petit filet, posé. 2-1, Fouakou Poutou doublé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça les hasards. Osa bien les gars, osa bien. Très très belle frappe enveloppée. Regardez, c'est le crochet qui fait tout. Petite frappe, et là, frappe enveloppée. Petit filet, tranquillement. Donc on mène 2-1, va falloir faire attention. 78e minute, il va tenter. Akin Fenoa qui pose trop loin son ballon. Et Bolasi qui intervient, attention, 89e minute. 89e, attention. Il frappe son poteau, quelle chance. Et la dernière action pour moi, longue transversale, même super transversale sur Cédric. Cédric, on entend la petite musique, la petite conclure cette action. Regardez, il arrive, fin de corps, crochet, et il enchaîne, petit filet, ça fait 3-1. La Carten Dance, les gars, levez-vous, basculez les bras, faites ce que vous voulez. Posez, on peut dire qu'on est posé en finale, les gars. Bien joué, Cédric, vous allez voir. Dans les ralentis, magnifique festival, petite fin de corps, ensuite crochet et plat du pied, efficacité, regardez. Fin de corps, crochet, j'embarque totalement son Caceres et derrière, frappe enveloppée. Et ça fait 3-1. Donc, cette équipe du Zaïre va en finale. Magnifique, super les gars. Franchement, très très beau match. Fouakou Poutou qui met le doublé encore une fois, qui est très efficace.
Donc voilà les gars, l'épisode va s'arrêter là-dessus. Vous allez voir vite fait, je vous ai montré qu'il avait fait rentrer Hakim Fenois en MOC. Je trouve ça vraiment dommage. Bref, c'est pas mon problème, il a fait ce qu'il voulait. Donc les gars, je vous dis, on va se retrouver très prochainement pour la finale ou pour un autre épisode de je sais quoi sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à faire tout ce qu'il faut. Je vous dis salut à tous et à la prochaine les gars.